C'est une rencontre festive initiée par le collège des délégués du personnel de l'Office des ports et rades du Gabon qui a jugé utile de convier l'ensemble du personnel de l'OPRAG à partager un repas anticipé pour célébrer les 64 ans de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Une célébration toute particulière pour le directeur de cette structure. Notre pays a pris un virage différent, un virage, on va dire, révolutionnaire, plein d'ambition. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, on voit que le pays est en train de bouger. Et cela nous appelle à beaucoup plus d'unité, beaucoup plus de solidarité, et pour que l'on puisse ensemble travailler le pays. Ainsi, le directoire a tenu à honorer plusieurs employés ayant comptabilisé près de 40 ans de bons et loyaux services à l'OPRAG et admis à la retraite, non sans avoir fait passer un message aux nouvelles générations. Je les appelais à faire preuve de beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices. Qu'ils soient assidus, qu'ils soient respectueux, qu'ils soient courtois envers les chefs afin de prospérer comme moi. Il faut du travail. Il faut être rigoureux dans ce qu'on fait et respecter la hiérarchie. En 50 ans d'existence, l'OPRAG a connu plusieurs mutations auxquelles ont participé les nouveaux retraités, lesquels ont proposé des pistes de solutions quant aux défis de l'heure. On est dans la mondialisation, il faut s'arrimer aux standards internationaux. L'État devait sérieusement, avec le concours de l'OPRAG, regarder sérieusement le projet sur la construction du port en eau profonde de Mayumba. Accompagnés de divers rythmes modernes et traditionnels des artistes du pays, les OPRAGiens ont festoyé librement. Des hommages solennels ont été rendus aux nouveaux retraités, visant non seulement à célébrer leur réalisation, mais aussi les 64 ans d'indépendance du Gabon, qui augurent des lendemains meilleurs pour l'Office des ports et rades du Gabon.